Donald est-il américain ou alors il se trompe? Comment a-t-il eu cette idée folle d'encourager ses partisans à investir le Capitole? Que vont penser les Africains désormais des États humides d'Amérique? S'interroge le journal Le Hold-up électoral. Le journal La Victoire volée écrit, et je cite, « Quand l'oncle Sam passe de donneur de leçons à trublion de la classe à l'école de la démocratie, ça c'est vraiment Molenka nous. » Vraiment, hein? Les Américains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Fin de citation. Pour le journal Comparaison bancale, les États-Unis d'Amérique ne peuvent en aucun cas être comparés à nos républiques bananières. Car aux États-Unis, les hommes sont distincts des institutions, alors qu'en Afrique, les hommes se confondent avec les institutions. Fin de citation. Le journal 237 Magazine nous apprend, et je cite, « Yaoundé demande au gouvernement américain de respecter les bases de la démocratie et de la volonté du peuple en laissant le peuple américain manifester et en arrêtant l'usage disproportionné de la force. » Fin de citation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Capitole? Le journal Thomas C. Info a ouvert ses colonnes à un citoyen de Yaoundé qui explique, et je cite, « Les gens racontent qu'il y a eu des violences au Capitole. Pourtant, il n'en est rien. Moi, je n'ai rien vu. » Le jour-là, je suis parti de l'école de police. J'ai traversé le palais des sports à pied. Je suis passé devant le cinéma, le Capitole. Mais je n'ai rien, il n'y avait rien. Donc, tous les bruits que les gens disent là, c'est dans leur esprit. Il n'y a eu aucun bruit au Capitole. Donc, pour moi, hein, les gens se trompent. Trump. T-R-U-M-P. C'est la fin de la revue pimentée de la presse. Excellente journée à vous tous de la part du cardinal Aristide Ier.